La Francia ha preferito non schierarsi in modo contrario alla concessione di una nuova autorizzazione al commercio per il glifosato nell'Unione Europea, limitandosi ad un'astensione. Eppure indennizza chi si è ammalato di Parkinson proprio per l'esposizione alla sostanza. Beh, principalmente dei tremblements e poi ça me gêne pour m'endormir, ça me gêne dans... Si je force un petit peu la journée, j'ai beaucoup plus de tremblements, d'où la fatigue, quoi, ça fatigue. Il glifosato potrà essere usato in Europa nonostante figuri dal 2015 nella lista delle sostanze probabilmente cancerogene dello IARC, organismo che fa capo all'OMS. Il y a beaucoup de littérature scientifique qui fait le lien entre la maladie de Parkinson et l'utilisation de pesticides. On s'est aperçu qu'il y avait plus de cas de maladie de Parkinson dans les populations d'agriculteurs que dans la population générale. Et puis, au début, il y a aussi eu des tribunaux qui ont reconnu la maladie professionnelle. Et du coup, petit à petit, tous ces éléments ont fait que la France a reconnu Parkinson comme maladie professionnelle liée aux pesticides. Per la nuova autorizzazione decennale a favore del glifosato serviva una maggioranza qualificata dei Paesi membri, che non è stata raggiunta, ma la Commissione europea ha tirato dritto. Beh, c'est toujours un plaisir d'avoir un petit plus, une certaine reconnaissance, quoi.